Bonjour les amis, bienvenue à Momentum. Je crois vraiment qu'on va vivre une super matinée tous ensemble. Alors il va y avoir de la louange et il va y avoir un message qui nous parle que Dieu est toujours avec nous, même dans la tempête. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, mais il habite aussi quand nous passons par des temps de tempête et on va le regarder ensemble ce matin. Alors place à la louange et puis on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, Église Momentum. Comment ça va aujourd'hui? Une bonne nouvelle les amis, à la croix, Jésus-Christ a sauvé ma vie. Si c'est ton cas ce matin, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? On tape des mains. Hey! On chante ensemble, j'ai vu. Oui, j'ai vu l'ennemi s'effondrer et l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu ensemble. Oui, j'ai vu sa puissance en action et sa force de résurrection. Oui, pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. L'église en chante, c'est là. Hey! C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus. Par Jésus, mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, oh, oh. T'as tes mains. Oh, oh. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Amen, amen. Oui, adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Je chanterai par Jésus. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Les amis, on va déclarer, tant que je vis, Seigneur, tu agis. Est-ce que vous le croyez vraiment du plus profond de votre cœur ce matin? Ok, on chante ensemble. Hey! Tant que je vis, tu agis. Oui, le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Oui, le meilleur est à venir. Oh, je le crois, on chante. Tant que je vis, tu agis. Où le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tant que je vis, tu agis. Tu agis, Seigneur. Oh, le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Si c'est ton témoignage ce matin, alors chante de tout ton cœur. C'est là, on chante. Hey! C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Voilà mon témoignage. Amen, acclamons Jésus tous ensemble. Amen, Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence ici. Merci pour ta présence dans ce lieu.
Seigneur mon Dieu, je veux déclarer que je crois en toi. Je veux déclarer que pour 2024, et j'ordonne à mon âme de croire en celui qui est le Créateur, en celui qui est mon Père. Oui Seigneur, du haut des cieux tu règnes, tu restes toujours le même. Et je veux donner ma vie pour toi. Je veux donner ma vie pour toi parce que je crois que tu existes. Et je le déclare sur ma vie. Je crois que tu existes Seigneur et que tu es le chemin, la vérité et la vie. On chante ensemble. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Dis-moi Tom, chante, déclare-le. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chantons ensemble, j'ai tant parlé. Toi Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil. Je t'aime Seigneur, car je le sais. Ta gloire, chante, j'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles. Tu me révèles ta gloire. J'ai entendu. Oh, ta gloire.
pieds, je reviens. Tu es, tu es, du haut des cieux, tu règnes. Du haut des cieux, tu règnes. Tu es toujours le même. Non, tu ne changes pas. À tes pieds, je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds, je me partout dans ce lieu, on peut commencer à élever nos mains vers Jésus. Si t'as soif de Jésus ce matin, si t'es venu pour recevoir, pour donner ta louange, mais aussi recevoir, alors lève tes mains vers Jésus. Commence à adorer le roi des rois. Il y a bien une personne ici qui a entendu, qui a vu la gloire de Dieu. Moi, quand je vous vois ce matin, je vois la gloire de Dieu. Elle est là, la gloire de Dieu. Des gens qui l'adorent. Parce qu'il a tout donné. Alors lève tes mains vers Jésus si tu as soif. Oh, j'ai soif de toi, Jésus. Oh, 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 oh. Et lève ta voix maintenant vers le roi. Fais monter ta prière et ta louange. Oh, 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 oh. Tu es digne de nos louanges. J'ai soif, soif de ta présence. Soif de te rencontrer. Mes yeux ont vu la gloire de l'agneau. Comment chante ensemble, j'ai entendu. J'ai entendu. Mes yeux ont vu. L'église chante. Ta gloire, tu m'émerveilles. Tu m'émerveilles. Me révèle ta gloire. Moi, j'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Ta gloire. Du haut des cieux, du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds, je reviens. Tu es mon Dieu. Seigneur, la parole déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Seigneur, je crois que là où il y a ton Esprit, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, tu nous as couronnés par ta vie. Ce matin, nous le déclarons que ta vie est notre couronne. Seigneur, la coupe qui nous condamnait à la mort, tu l'as prise sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus
plus condamné. Tu as vaincu la mort en te sacrifiant à la croix de Golgotha. Seigneur, par ton sacrifice, je ne suis plus esclave, mais je suis désormais enfant de Dieu. Par ton sacrifice, Seigneur, mes chaînes ont été brisées. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie, Seigneur. Ce matin, je vais élever ton nom. Je veux t'adorer, non pas pour ce que tu fais dans ma vie, mais pour qui tu es. Seigneur, ton amour surpasse tout. Ton amour accomplit de grandes choses. La parole dit que en toi, j'ai un avenir et de l'espérance. Tu es mon espérance, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut lever nos mains et déclarer alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est en sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Chantons-le, je vois l'espérance. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Inconcevable, chante-le. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, la croix proclame, je suis pardonné. M'appelle le sien, merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, oh alléluia, gloire à mon libérateur. De prière pendant que l'équipe va s'avancer pour qu'on puisse prendre les éléments tous ensemble. On va rester dans cette attitude d'adoration. Nous avons un avocat auprès du Père. Il a pris la place à la croix qui devait me condamner, qui me revenait à moi. Et en lui, nous avons une alliance nouvelle. Il y a une alliance qui est une alliance de puissance, de force.
Je vais vous proposer de garder les éléments en main. On va les prendre tous ensemble après. C'est une alliance qui nous donne une délégation d'autorité. Je ne sais pas comment vous avez traversé votre semaine. Il peut nous arriver parfois de douter, d'avoir peur, de craindre de prendre des décisions, de se sentir par moments, vous savez, incompétent, insuffisant pour affronter les défis de la vie. Se sentir complètement annulé par moments dans ce que l'on peut traverser. Mes amis, je voudrais vous encourager ce matin et vous dire et proclamer avec vous qu'en lui, tout est possible. En lui, nous avons une autorité. En lui, nous avons une délégation de puissance et de force. Rien ne peut nous arriver. Paul va le dire aux Romains lorsqu'il va nous, il va encourager les Romains, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour affronter les défis qui sont là devant vous, pour avoir part à sa gloire. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Amen. On va prendre ces éléments, et en prenant ces éléments, je vous invite vraiment par la foi, très tranquillement, à recevoir par son corps, par son sang, toute l'autorité que Dieu veut vous délivrer ce matin pour faire face à tous les défis qui sont là dans votre vie. Recevez ces éléments-là, en les prenant, recevez l'autorité de Christ. Recevez sa puissance, recevez sa force, recevez aussi sa grâce et sa paix pour affronter tous les défis qui sont là devant vous. Et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Les amis, plus vous contactez vos limites, plus vous pouvez vous reposer sur Christ. Plus vous vous reposez sur Christ, plus sa puissance, sa victoire est là à votre portée. Amen. On prend ces éléments ensemble. Au cours du repas, Jésus prit le pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Seigneur, tous ensemble, on veut t'adorer, te louer, reconnaître, Père, que en toi nous avons tout pleinement. On veut vraiment se ressourcer ce matin en toi. On veut recevoir ces éléments-là par la foi, avec une puissance renouvelée, une force renouvelée. Seigneur, viens nous aider à marcher sur l'eau quand parfois on se sent noyé, la tête sous l'eau, Jésus. On va rechanter tous ensemble ce chant qui nous parle de cette victoire à la croix et que tout est accompli. Jésus-Christ, tu es notre espérance et en toi nous voulons fonder tous ensemble notre espérance. Sois béni, Seigneur. Amen. Jésus-Christ, à toi la victoire.
C'est toujours une joie, une grâce, une bénédiction. Il y a pas mal de visages nouveaux. Il y a tous ceux également qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter à chacun la bienvenue? Nous sommes heureux d'être là ensemble et de vivre ce moment les uns à côté des autres. C'est toujours bon de louer et d'adorer Jésus avec des personnes autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dis à ton voisin, t'as bien chanté, vraiment t'as bien chanté. Vraiment, j'étais fier de toi, t'as vraiment bien chanté. C'est une grâce et une bénédiction pour ceux qui sont là, pour là où les premières fois, ceux qui sont sur Internet. Je suis le pasteur Patrice Martorano et ce matin, j'ai la joie d'apporter un message qui, je crois, va être une bénédiction pour beaucoup d'entre vous et j'espère pour un plus grand nombre. Et je prie que ce message que je vais vous apporter, il puisse être fragmenté en autant de personnes qui vont écouter ce message afin que vous partiez avec et que ça soit un sujet de grâce et de bénédiction dans votre vie. On est dans une série de messages qui s'intitule « Fondation ». Et d'avoir des bonnes fondations, c'est important. Il y a un passage dans la parole de Dieu, une parabole extrêmement connue, où Jésus nous parle d'un fou et d'un sage. Et les deux ont fondé une maison. Le fou a bâti sa maison sur le sable. Vous connaissez ce passage. Et lorsque la tempête est arrivée, la tempête a balayé la maison. Alors que le sage, lui, a fondé sa maison, bâti sa maison sur le roc. Et lorsque la tempête est arrivée, la maison n'a pas bougé parce qu'elle avait des bonnes fondations. Et au-delà de cette histoire des fondations que nous pouvons avoir, sur quoi nous bâtissons, c'est important de bien bâtir sa vie. La chose également qui m'interpelle, c'est que finalement je me dis que tu sois fou ou que tu sois sage, les deux vont vivre la tempête. Comprenez-vous ? Nous, on pense souvent que la tempête, elle est réservée aux gens qui font n'importe quoi dans leur vie. Elle est réservée pour les fous. Mais la Bible nous dit que fous comme sages, nous allons vivre des temps où la tempête va venir nous submerger, où elle va vouloir venir littéralement balayer tout ce que nous avons construit. Et il y a toutes sortes de tempêtes. Il y a bien sûr les tempêtes, le ciel avec les éclairs, le tonnerre, la pluie, tout ça qui gronde autour de nous. Mais il y a aussi des tempêtes secrètes, des tempêtes que finalement personne ne voit, des tempêtes financières. Il y a des gens, je suis persuadé, qui m'écoutent actuellement et qui ne savent pas comment elles vont terminer le mois. Comment je vais faire pour aller acheter les dernières courses, pour pouvoir nourrir mes enfants, pour pouvoir habiller mes enfants? Il y a des tempêtes émotionnelles où on est en train de glisser littéralement petit à petit dans une sorte de dépression. Il y a des tempêtes au niveau du couple. Le couple est là, ça va mal et personne ne le voit. Et souvent les tempêtes secrètes, les gens ne voient rien. Parce que le matin je me lève, je mets mes cheveux comme il faut, je me rase ou je me maquille et je m'habille, je me parfume un petit peu. Et finalement, personne ne voit rien. Mais il y a une tempête dans ma propre vie. Et contrairement aux tempêtes visibles, par exemple, vous êtes sur le parking là et qu'il se met à pleuvoir, ok, il y a du tonnerre, ça pleut, c'est terrible. Et là où il y a un ami qui sort de sa voiture et qui a un parapluie, automatiquement, il va venir vous aider. Il va venir prendre le parapluie et il va vouloir vous abriter avec lui. Parce que quand on voit quelqu'un qui passe par une tempête visible, on essaye de pouvoir l'abriter, de faire le mieux que l'on puisse faire. Mais quand on vit une tempête secrète, personne ne le voit, donc personne ne nous aide. Pire, parfois même des gens jalousent des choses qui sont en nous et qui ne savent pas ce que nous sommes en train de vivre. Ils n'ont aucune conscience. Parfois, on est là, on regarde quelqu'un et on envie, on le jalouse, on envie sa voiture, on envie sa maison, alors qu'on ne sait même pas que cette personne-là, le mois passé, il y a un client qui ne l'a pas payé et que là, sa maison et sa voiture vont être saisies. Comprenez-vous ? On va envier un couple. Ah, ça, c'est un couple génial. Et on ne sait même pas que ce couple, actuellement, bataille pour essayer d'avoir un enfant. Il y a un sujet de tristesse terrible. Et tout ça, on ne le voit pas. On voit juste, finalement, ce qui est visible. Mais à l'intérieur de nous, et c'est évident, je ne vais pas faire lever la main, mais c'est évident que dans ce lieu, il y a plein de gens, quel que ce soit sentimental, que ce soit financier, que ce soit ministériel, que ce soit, bref, mille et une choses. Il y a plein de gens ici en ce moment, vous vivez des tempêtes, ou alors vous avez vécu des tempêtes, ou alors vous allez vivre des tempêtes, parce que la pluie tombe sur tout le monde. La tempête, sage comme fou, nous la vivrons dans notre vie, nous verrons des choses parfois qui vont nous amener dans une tristesse. Et je notais ceci, nous sommes souvent tentés de croire que la présence de Dieu dans nos vies devrait nous épargner toute adversité. Nous nous disons que si Dieu était véritablement à nos côtés,
nous ne serions pas confrontés aux tempêtes de la vie, que notre bonheur serait constant, que nos affaires prospéreraient sans cesse. Nous nous imaginons qu'avec Dieu, les problèmes familiaux se dissiperaient, nos finances seraient florissantes et toutes nos dettes seraient réglées. Et parce que nous pensons ainsi, pour nous, c'est un acquis. Dieu doit toujours être là et on ne doit pas vivre de tempête. On est un peu comme Job, ce personnage que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui dit « Je ne comprends pas, Seigneur, tu étais ici. Il y a une minute, tu étais là et maintenant, j'ai beau te chercher, je ne te vois plus. » Et des moments, on est comme ça dans notre vie. On est là, mais Seigneur, quand tout est florissant, quand tout est génial, parce que s'il y a des moments de tempête, il y a aussi des moments où le ciel est bleu. Hein, et on est là, Seigneur, je ne comprends pas, tu étais là, tu bénissais ma vie, tout avait l'air d'être génial. Et là, d'un seul coup, bim, en un instant, tout est en train de vriller. Mais t'es où, Dieu ? T'es où dans cette histoire ? J'aimerais ce matin vous encourager, Dieu est dans votre tempête. Dieu ne vous abandonnera jamais, il sera toujours à votre côté. Il est le Dieu de la tempête. Et même quand la tempête est là et qu'elle fait rage, il est avec toi dans la barque. Et j'ai intitulé mon message, Dieu te délivrera de la tempête. On va regarder, on va braquer notre caméra sur un personnage qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Et Paul... On arrive un peu à la fin des Actes des Apôtres, ce livre qui nous parle de la vie de Paul, qui nous donne un peu sa biographie, de tout ce qui a pu prendre place. Et là, nous sommes Actes chapitre 27. Et donc, Paul a été arrêté et il a demandé de comparaître devant l'empereur, devant César lui-même. Et il va être emmené en bateau à Rome. Et alors qu'il est à Crète, il dit ceci, voilà, on va embarquer. Et Paul dit, je sens qu'il va y avoir une tempête. Ce n'est pas le moment d'embarquer. Et vu que c'est un prisonnier, Paul est un prisonnier à ce moment-là, et le capitaine va demander à quelques collègues autour de lui, quelques personnes assez élevées, etc. Et tout le monde dit, non, on peut prendre la mer. Et Paul leur dit, non, ce n'est pas une bonne idée. Vous savez, des moments où on vit des tempêtes, ce n'est pas à cause de nous. Hein. Ça arrive, c'est à cause de nous, mais des moments où ça nous arrive aussi de vivre des tempêtes, c'est les autres qui nous entraînent dans le truc, tu vois. Et là, Paul est là, et dit, mais c'est pas bon, il va y avoir quelque chose. Et donc, on ne l'écoute pas, c'est un prisonnier, il a qu'à se taire, il est avec les autres prisonniers. Tout le monde, on met tout ce beau monde dans le bateau, ils sont plus de 250, on met tout ce beau monde dans le bateau, et là ils partent. Et effectivement, la tempête va arriver. Mais une tempête qui va faire extrêmement rage, au point qu'ils sont obligés à chaque fois d'essayer de longer les côtes, mais ils ne peuvent même pas amarrer parce que la tempête est tellement difficile que s'ils essayent de s'approcher de la terre, ils peuvent se fracasser contre les rochers. Donc ils sont pris dans tout ça, ils vont être obligés de larguer certaines choses, dont même les canots de sauvetage. T'imagines quand tu es obligé de lâcher les canots de sauvetage? Et donc ils se retrouvent dans cette galère-là. Et voici ce qu'il nous est dit. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté, après avoir jeté les canots de sauvetage, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, tellement que le ciel est ténébreux. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvé. Quand un homme comme l'apôtre Paul, qui est plein de foi, plein de fougue, qui est plein d'optimisme, le gars, tu le laisses dans la jungle, il te fait un chemin. Quand un gars comme ça te dit « je sens que c'est la fin », t'imagines ceux qui sont autour de lui. Hein. Là, ça va être compliqué. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. » Dites avec moi, aucun de nous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, tu dois comparaître devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui navigue avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Paul leur dit, prenez courage, tout va bien se passer, mais on va échouer quand même. On va se prendre un naufrage. Mais gardez courage, parce que nous ne perdrons pas la vie.
parce que Dieu veille sur nous. Tout d'abord, ce matin, ne prenez pas la présence de la tempête comme une indication de l'absence de Dieu. Souvent, nous pensons que parce que nous passons par une tempête, on est comme Job. Où est Dieu ? Je le cherche et il n'est pas là. Et je sais que dans notre pensée à nous, notre Dieu fait son meilleur travail lorsque, comme dans un temps de jeûne et prière, on se tient sur le devant et là, on chante, on élève nos mains, on danse, on sent la présence de Dieu. Waouh ! Là, Dieu fait son meilleur job. Là, Dieu fait son meilleur travail dans ma vie. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, la parole de Dieu me dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Waouh ! Ça, j'aime ça. Mais est-ce que vous savez également que si Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, Dieu habite aussi au milieu des embrouilles de son peuple. Dieu habite au milieu de la tempête de son peuple. Dieu habite au milieu des ennuis. Il est avec nous dans la tempête. Il est avec nous dans la tempête. Il est avec nous dans la tempête. Il est avec nous dans la tempête et il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Et je le crois de tout mon cœur. La Bible nous dit ceci, il est avec moi dans la tempête, il est avec moi dans le feu, il est avec moi dans la vallée de la... quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est toujours là. Il habite dans la tempête. Il n'habite pas qu'au milieu des louanges quand tout se passe bien dans ma vie et que je dis gloire à Dieu. Oui, il habite là, mais il habite aussi quand mes ennemis campent devant moi, Dieu habite avec moi et il me donne la force de continuer, il me donne la force d'aller de l'avant et que ceux qui le croient, faites du bruit s'il vous plaît. Dites avec moi Amen. C'est pourquoi Dieu va dire ceci, tellement un passage préféré de mon épouse, ça. Ésaïe qui dit ceci, quand je passe, littéralement, quand je serai au milieu des grandes eaux, les grandes eaux ne me submergeront pas. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Dieu te dit ceci ce matin, tu as beau être dans ta tempête, quelle que soit ta tempête secrète que personne ne voit, le Seigneur te fait cette promesse, je serai avec toi quand tu passes par les grandes eaux, elles ne te submergeront point, je veillerai à t'amener de l'autre côté. Et ça c'est une promesse de Dieu, et vous savez quand Dieu fait une promesse, même pas que Dieu, chacun d'entre nous, quand on fait une promesse c'est parce que ça ne semble pas évident. Est-ce que vous avez, j'analysais, je réfléchissais à ça, on ne fait jamais, en tout cas moi je pense, et je pense qu'on est tous pareils, ou alors c'est extrêmement rare, on ne fait jamais des promesses sur l'évidence. Quand on fait une promesse, c'est parce que ce n'est pas évident. Comprenez-vous ? Par exemple, ce matin, je suis parti de la maison et j'ai embrassé mon épouse et je lui ai pas dit, chérie, je te promets, ce soir quand je rentre à la maison, je serai toujours un homme. Non ! C'est évident, tu vois, je serai toujours un homme blanc. Si t'es noir, t'as pas dit à ta femme ce soir, chérie, je te promets que quand je rentre ce soir, je serai toujours un homme noir. Parce que c'est l'évidence, tu ne promets pas l'évidence. Mais tu promets ce qui n'est pas évident. C'est ça la réalité, tu vois. Je te promets de t'aimer quand t'es jeune et je promets de t'aimer également dans la vieillesse. Parce que c'est pas évident. Quand tu perds tes cheveux, il te reste une dent, quand la terre te rappelle que tout s'affaisse. Je promets de continuer de t'aimer. Vous comprenez ? Tu ne promets que les choses qui ne sont pas évidentes. Ce qui est évident, tu n'as pas besoin de le promettre. Mais tu promets ce qui n'est pas évident. Et Dieu sait que pour nous, ce n'est pas évident. Quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, quand on passe par la tempête, quand on passe par les ennuis, quand on passe par toutes sortes de soucis, on a tendance à être comme Job, à dire « Mais t'es où Dieu ? Tu m'as abandonné. » Et Dieu te dit « Non, je te fais la promesse, je serai avec toi quand tu passes par les grandes eaux, je ne t'abandonnerai pas, elles ne te submergeront pas, voici je t'ai gravé dans la paume de mes mains, je serai tout le temps avec toi, je suis l'ombre de ta main droite, de ta main quand vous voulez, je marche à tes côtés, je suis avec toi. » Donc, je dois avoir cette confiance que mon Dieu marche à mes côtés. Il a promis qu'il serait avec moi dans la tempête. Et quand je nage dans l'eau, parce que je suis en train de boire la tasse, Dieu nage à côté de moi. Il ne me laisse pas seul. J'ai noté ceci, souvent, notre conscience de la tempête, on la voit, elle est visible, est tellement élevée que nous perdons notre conscience de Dieu. En fait, le problème est tellement gros, la tempête est tellement grande que Dieu est devenu tout petit. Mais je dois toujours avoir conscience, il est avec moi, comme l'apôtre Paul, alors que Jésus dort dans la barque et qu'il y a la tempête et qu'eux, ils pensent qu'ils vont mourir dans la tempête. Jésus, lui, il est dans le bateau, il dort, il est au fond du bateau, il est là, il est avec nous dans la tempête. Dieu n'habite pas qu'au milieu des louanges de son peuple. Dieu habite dans les tempêtes de nos vies.
Et la tempête n'est pas un symbole ou un synonyme que Dieu t'a abandonné. Alors j'aimerais vous encourager, fixons dès le début, fixons la fin. Ok ? Quand je vais voir, alors que là en ce moment ça va bien, le ciel est bleu, quand je vais voir le nuage arriver, quand je vais entendre le tonnerre gronder, quand je vais voir les éclairs s'abattre et la pluie oblique venir me frapper, de suite je fixe la fin, je plante mes pieds dans le sol de la foi et je dis je m'en sortirai parce que Dieu est avec moi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je m'en sortirai. La tempête n'aura pas ma vie. Dis à ton voisin, je vais m'en sortir. Vas-y, dis-lui, je vais m'en sortir. J'aimerais te le dire de suite, je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas tous les détails. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas financièrement comment l'argent va arriver, mais je vais m'en sortir. Je ne sais pas au niveau de ma santé comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas si c'est par la main d'un homme, d'un chirurgien qui va m'opérer et qui va enlever le problème, ou est-ce que c'est une opération miraculeuse du ciel et je vais être guéri instantanément. Je ne sais pas, mais je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais avoir le bébé. Est-ce que c'est une FIV? Est-ce que c'est par moyen naturel? Est-ce que c'est une adoption? Est-ce que Dieu me guérit et je passe à autre chose? Je ne sais pas, mais je vais m'en sortir. La tempête n'aura pas ma vie parce que Dieu habite dans la tempête et il va m'aider à traverser cette tempête. Même si je dois ramper, même si je dois ramper, même si je dois marcher sur mes genoux, même si je dois attendre, même si je dois souffrir, même si je dois jeûner et prier, même si je dois me taire, je sais que Dieu est là et il va m'aider à m'en sortir et je finirai par m'en sortir parce que l'objectif et le but de Dieu n'est pas que tu meurs dans la tempête, mais le but c'est que tu ailles de l'autre côté parce qu'il y a encore des aventures qui t'attendent. Mon Dieu est celui qui est avec moi. Comment je sais que je vais m'en sortir? Je viens de vous le dire, parce que Dieu est avec moi. Je ne peux pas couler quand Dieu est avec moi dans la tempête. Et parfois cette tempête peut emporter beaucoup de choses dans nos vies. Soyons honnêtes, il y a des tempêtes que nous traversons qui balayent, qui souffrent tellement fort. Ça va emporter beaucoup de choses dans notre vie. Mais il y a une chose que la tempête ne pourra jamais emporter, c'est la présence de Jésus dans nos vies. La tempête ne pourra jamais emporter cela. Et quand la tempête se lève et qu'elle veut combattre contre moi, en fait, elle ne fait pas que combattre contre moi, parce que Jésus est avec moi, donc il est en train de combattre contre Jésus lui-même. J'ai Jésus avec moi, alors je fixe et je sais que je vais m'en sortir. Puis finalement, je continue l'histoire. Ils sont là dans ce bateau, la tempête secoue le bateau, et la finalité, vous savez ce qui va se passer ? Paul l'avait dit, hein, le bateau, littéralement, va se désintégrer. Comment réagissez-vous, mes amis, quand la seule chose, ça va être bon, hein, je ne vais pas avoir beaucoup d'amen, mais ça va être très bon. Comment vous réagissez, mes amis, quand la seule chose qui te fait flotter, qui te maintient la tête hors de l'eau, se désintègre? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu gardes espoir? Comment ça va se passer? Regardez ce qu'il est dit. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe, c'est-à-dire une sorte de baie, avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. On va tout lire le texte, regardez-moi un instant, on lira le texte dans quelques instants, juste parce que quand je préparais ce message, j'ai essayé d'être avec Paul dans le bateau. Je fermais mes yeux comme ça et je me suis imprégné de l'histoire et j'ai essayé de m'imaginer un petit peu ce qui se passait. Et c'est un truc de fou, hein, ça aurait mérité, là, on pourrait faire une série Netflix, hein, de cette histoire. En fait, regardez ce qui s'est passé. En fait, l'idée qu'ils ont, ils n'ont plus les canots de sauvetage, okay, vous vous en souvenez? Donc ça veut dire que normalement, le bateau, le navire s'arrêtait, ils prenaient les canots et ils allaient sur la terre ferme. Sauf que là, il n'y a plus les canots. Et la majorité d'entre eux, les 250-300 qui sont, la majorité ne sait pas nager. Donc en fait, ils essayent de trouver une solution. Et la solution qu'ils ont, écoutez bien, c'est de se dire, on va se mettre face à la plage, le vent dans le dos, on va déplier la voile, et là, on va aller tout chousse, on va aller juste, et on va piler sur la plage, et on va aller directement sur la plage avec le navire. Pour tous ceux qui connaissent un peu la région, parce que là, c'est un endroit très loin, hein, c'est Malte, et pour tous ceux qui connaissent la région ici, c'est un peu comme, imaginez, tu es vers Arcachon, vers la dune du Pilat, tu es vers la dune du Pilat, tu vois, il y a la tempête comme ça, et tu vois au loin, la dune du Pilat, tu la vois bien de loin, tu vois la plage, et là, tu te dis, ok, on va se mettre en face, ok, et on va mettre le vent dans les voiles, et on va aller tout droit, sauf qu'en faisant ça, il y a un truc que tu n'as pas vu.
c'est qu'il y a le banc d'Arguin juste avant. Et regardez ce qui va se passer, parce que c'est vraiment ce qui va arriver. Écoutez bien. Donc, lorsque le jour fut venu, ils ne reculèrent point à la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, okay, ils ont carrément même jeté les ancres, et ils libérèrent aussi simultanément les attaches des gouvernails. Puis, ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage, tout chousse. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, ils rencontrèrent le banc d'Arguin, où ils firent échouer le navire. La proue, c'est-à-dire le devant, s'est engagée, resta immobile, poum, elle s'est plantée, tandis que la poupe, c'est-à-dire l'arrière, se brisait par la violence des vagues. Les soldats, quand ils ont vu ça, vont avoir l'avis de tuer tous les prisonniers, pour être sûr qu'ils ne vont pas s'évader. Et parmi ces prisonniers, il y a l'apôtre Paul, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Deuxièmement, et dernièrement ce matin, s'accrocher au temporaire, ce n'est pas s'accrocher à Dieu. Alors qu'ils sont sur un bateau, et certainement qu'ils pensaient que ce bateau allait les amener du point A au point Z, allait les amener de la Crète à littéralement la destination finale, c'était Rome. Et certainement, ils pensaient que les choses allaient se passer ainsi, sauf que la chose sur laquelle ils étaient, finalement, elle-même, va se retrouver être désagrégée, désintégrée. Et là, ça a dû être quand même... C'est la seule chose que j'avais, c'est la seule chose qui me tenait la tête hors de l'eau, et ça, je viens de le perdre. Ça, c'est en train de se désintégrer. La chose sur laquelle je croyais que j'allais aller de l'autre côté finit aussi par se briser. Et ce n'est pas, écoutez bien, ce n'est pas parce que le bateau se désintègre que tu dois te désintégrer. Je l'ai noté différemment, ce n'est pas parce que votre bénédiction se désintègre que vous devez vous désintégrer. Pouvez-vous imaginer la chose sur laquelle, écoutez bien, vous comptiez le plus pour vivre la vie que vous désiriez, le perdre aussi. Ça, c'était mon bateau. Mon bateau devait m'amener à la destination finale. Ça, c'était ma voiture. Ça, c'était ma maison. Moi, je pensais que j'allais aller de l'autre côté avec cette maison. J'ai monté mon entreprise. Je pensais que c'était avec cette entreprise que j'allais pouvoir aller de l'autre côté. J'ai battu tous mes espoirs. C'était mon navire. C'était mon bateau. Et alors que je vis une tempête, la seule chose qui me maintenait la tête hors de l'eau, poum, elle vient de se désintégrer aussi. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen. Qu'est-ce que je fais quand ça se passe comme ça? On doit comprendre, écoutez bien mes amis, on doit comprendre que toutes les bénédictions ne sont pas destinées à rester avec nous toute notre vie. Il y a des saisons. Et il y a des bénédictions, elles vont nous amener du point A au point B. Regardez même, au-delà même des choses, il y a des amis, il y a des relations que nous avons dans la vie. Il y a des relations, nous les avons depuis que nous sommes nés, pour certains, et d'autres, des relations, des amis que vous avez eus, et vous les avez eus pour une saison. Ils étaient là dans votre vie pour une saison, c'était juste génial, et puis à un moment donné, la vie fait que, hop, les choses tournent, les choses changent. Parce que si c'était censé rester avec nous, ça resterait avec nous. Mais si c'est enlevé, c'est que Dieu veut nous amener ailleurs. C'est que Dieu veut nous amener à la prochaine étape. Et parfois, pour nous amener à la prochaine étape, nous devons perdre ce que nous avons aujourd'hui, parce que ce que nous avons aujourd'hui peut nous empêcher d'aller à la prochaine étape. Et nous, nous sommes là en train de regarder ce que nous venons de perdre, comme si finalement notre vie allait totalement s'arrêter. Et nous perdons courage, et nous perdons pied, et nous commençons à boire la tasse. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Parce que ce que tu as perdu, tu l'as perdu pour ton bien. Parce que maintenant, je vais t'amener dans une autre étape de ta vie. C'est vrai, ça. Il y a des relations. Moi, j'ai le privilège d'avoir mon premier ami. J'ai gardé beaucoup d'amis dans ma vie, des amis d'enfance, d'école, etc., que je côtoie, que je fréquente encore. Et le premier ami que j'ai eu dans ma vie, il s'appelle Freddy, et c'est toujours mon ami.
En fait, on ne savait même pas parler, on était déjà amis. Nos mamans étaient copines, nos grands-pères ont immigré de Sicile ensemble. Et quand on était petits, on est de la même année, on a quelques mois d'écart, et on jouait dans le même parc. On ne savait pas parler, on ne savait pas marcher, mais on était déjà amis. Des années plus tard, il est devenu mon témoin de mariage, et aujourd'hui, c'est toujours mon ami. Maintenant, comprenez ceci. Ça, il y a cette réalité, et par la grâce de Dieu, j'ai des amis de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai des amis qui sont là depuis le début. Et il y a des amis, ils ont traversé ma vie. Ils ont été une bénédiction, ils ont vécu une saison avec moi. Et hop, je me souviens, ça m'a interpellé. J'ai quand même une assez bonne mémoire, je pense en tout cas. Et j'étais dernièrement dans la cave chez ma mère. Et c'est marrant, hein, les caves, les greniers, tu retrouves des trucs que tu avais quand tu étais gamin. Peut-être tes anciens cours, toutes sortes de trucs, des jouets, des machins comme ça. Et là, je suis tombé sur de la correspondance, sur des lettres. Et je tombe sur un petit paquet de cartes postales. Et c'était intéressant parce que c'est des cartes postales que moi-même j'avais écrites. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça, les cartes postales, les timbres, envoyez ça. En tout cas, les autres, vous savez de quoi je parle. Et là, je retrouve des cartes postales et je ne sais pas pourquoi. Ces cartes postales, j'avais écrit à des copains, des copines de l'époque et tout. J'étais ado quand c'était ça. Et là, je regarde, elles n'ont jamais été envoyées. Je ne sais pas, je ne devais plus avoir d'argent pour acheter les timbres. Et je regarde, du coup, c'est marrant. Tu regardes ce que tu avais écrit à tes amis de l'époque. Et là, donc je regarde, ah oui, je me souviens de lui, je me souviens d'elle, etc. Et là, je tombe sur une carte que j'ai envoyée à un certain David Gymnase. Mais vous savez quoi? Je ne m'en souviens même pas de qui c'est, ce gars-là. Et pourtant, quand même, je lui ai envoyé une carte, donc je sais qu'on devait être potes. Et je suis là, j'essaye de chercher qui c'est, ce gars-là. Et la réalité, c'est la vie. Il y a des gens, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans pour certains. Et il y a des gens, en fait, c'est comme un bateau. Ils t'ont amené du point A au point B, on a vécu une histoire qui était sympa, et hop, d'un seul coup, on est passé à une autre chose. Et nous, on essaie toujours de recoller le navire. Mais des moments, laisse le navire être tel qu'il est et comprends que c'était juste une étape pour t'amener à la prochaine étape. Le bateau, j'ai noté ceci, n'a pas cessé d'exister. Il a simplement pris une autre forme. Le bateau n'a pas conservé littéralement sa forme originale. Et bien souvent, j'ai noté et j'ai cette pensée, nous sommes liés à ce que nous avions. Et on est tellement liés à des choses de notre passé que cela nous empêche de vivre le moment présent. On regrette tellement, on essaye tellement de retrouver notre bateau, de retrouver le navire avec lequel on pensait aller jusqu'à Rome comme l'apôtre Paul, qu'on est là et on ne fait que regarder le bateau, on ne fait que regarder en arrière, on ne fait qu'essayer de reproduire ce bateau-là. Alors que Dieu te dit non. Je te l'avais donné pour un temps. Maintenant, il y a une nouvelle étape. Il y a de nouveaux projets. Il y a un nouveau bateau qui t'attend. Et tant que tu essayes de recoller, de rapiécer l'ancien bateau, tu ne pourras pas vivre toute l'étendue que j'ai prévue pour toi. Alors, le bateau s'est cassé. Et lorsque le bateau s'est brisé, c'est extrêmement intéressant, le bateau s'est brisé en plein morceaux. Il y avait des planches, il y avait des débris. Et la Bible nous dit que le centenier va dire, ceux qui savent nager, allez-y. Mais ça, c'était vraiment une toute petite partie. Et tous les autres, accrochez-vous. Accrochez-vous aux planches. Accrochez-vous aux petits débris. Accrochez-vous à ce que vous pouvez vous cramponner afin de rejoindre la terre ferme. Et je crois que les petits morceaux étaient bien moins confortables que le bateau. Mais maintenant, écoutez bien ceci. C'était le dessein de Dieu pour sauver les gens. Ils n'avaient plus de canot de sauvetage. Comment ils allaient aller sur la plage? Ils avaient besoin que le bateau se casse en petits morceaux pour s'accrocher à une planche, pour s'accrocher à un débris, pour aller jusqu'à là. Ils ne pouvaient pas y aller avec le navire. Alors ils y ont été avec leurs petits débris. Et avec leurs petits débris, la Bible nous dit, ils sont tous arrivés de l'autre côté, sains et saufs. Si les choses sont brisées dans votre vie, mes amis, c'est des petits débris, des petits morceaux. Cela ne sous-entend pas que vous allez mourir. Tu peux survivre en te cramponnant à ces petits morceaux pour aller de l'autre côté. Ils n'avaient plus de chaloupe, ils n'avaient plus rien, mais ils ont pu y aller. J'ai noté, avec le temps, j'ai quelques années de vie maintenant, et une chose que j'ai compris, c'est qu'avec le temps, j'ai appris que toutes les bénédictions ne sont pas là pour rester indéfiniment.
Écoutez bien. Souvent, nous croyons que notre bateau, c'est la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous croyons que notre travail, c'est la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous croyons que notre maison, c'est la bénédiction de Dieu dans notre vie, ou notre voiture, ou je ne sais quoi. En fait, non. Ce n'est pas le bateau qui est béni, c'est toi qui es béni. Ce n'est pas, la bénédiction ne repose pas sur le bateau, la bénédiction, elle repose sur toi. Donc ce n'est pas le bateau qui est béni, c'est toi qui es béni. Et si le bateau part, ce n'est pas grave, parce que toi tu es béni et il y aura un nouveau bateau. Il y a ce passage, j'ai prêché des années de ça en arrière sur Isaac. Isaac, à un moment donné, était là et il a essayé de construire un puits. Il a fait un puits, puis parce que Isaac était béni, l'eau est arrivée. Et là, il y a des gens du coin qui ont été jaloux d'Isaac. Alors ils sont venus et ils lui ont piqué le puits. Alors Isaac n'a pas fait de problème. Il est parti, il a été ailleurs. Et la Bible nous dit, il a creusé un autre puits. Et là, de l'eau, de nouveau, était encore là. Et là, des gens du coin, ils sont venus lui chercher querelle et ils lui ont piqué le puits. Isaac n'a pas fait de problème. Il est parti, il a été ailleurs, et c'est arrivé 2, 3, 4 fois. Et à un moment donné, il est arrivé à un autre endroit, il a creusé un puits, et il y avait de l'eau de nouveau. Et il a appelé cet endroit Rehoboth, qui veut dire « Dieu m'a mis au large ». Et vous savez pourquoi ? Je méditais, je réfléchissais là-dessus. Comment ça se fait qu'à chaque fois, Isaac ne s'est pas battu ? Pourquoi Isaac n'a pas fait de problème ? Parce que Isaac avait compris quelque chose de fort spirituellement. Il a compris ceci, ce ne sont pas mes puits qui sont bénis, c'est moi qui ai béni. Alors peu importe où je serai, à chaque fois que je vais creuser des puits, il va y avoir de l'eau. Nous, parfois, nous sommes tellement matérialistes que nous pensons que ce sont les choses qui sont bénies. Ce ne sont pas. Dieu ne bénit pas les choses. Dieu bénit des êtres humains. Et quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, quand bien même ce que tu possèdes se briserait en 1000 morceaux, la bénédiction de Dieu sera toujours sur ta vie et un nouveau bateau t'attend, de nouvelles grâces t'attendent, de nouvelles bénédictions t'attendent. Alors garde courage. Et va de l'avant. Ne reste pas, mon ami, ne reste pas devant la tombe de ce qui était auparavant. Mais saisis la vie. Il y a de l'espoir. Accroche-toi. T'as plus qu'un petit morceau. T'es comme ces gens. Le bateau s'est cassé. T'es juste sur ta planche. T'as juste pris un petit débris. J'ai que ce petit morceau. Mais avec ce petit morceau, je vais m'en sortir. J'ai plus qu'un petit morceau de pain. Mais je vais m'en sortir. J'ai plus qu'un petit bout de foi. Mais je vais m'en sortir. Ma foi, elle est petite comme un grain de moutarde. Elle a l'air ridicule. Mais je m'accroche avec. Parce que je sais que si j'ai la foi comme un grain de moutarde, je peux dire à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et ma foi accomplira le miracle avec la grâce de Dieu. Alors, même si c'est tout petit, même si ce que j'ai semble ridicule aux yeux des hommes, je suis comme David devant ce Goliath, j'ai juste un petit caillou, je suis comme Moïse devant la mer Rouge, j'ai un bâton qui a l'air ridicule devant l'ampleur de la tâche, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai est puissant par la vertu de Dieu pour accomplir des miracles et pour vivre tout ce que Dieu désire que je puisse vivre dans ma vie. Alors même si le bateau s'est désagrégé, même si une saison vient de se terminer, je sais qu'il est le Dieu de la tempête et qu'il ne m'abandonnera jamais. Il marche avec moi même quand je suis dans la vallée de l'ombre, de la mort, et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alors qu'ils sont là en train de se battre contre vent et marée, alors qu'ils sont en train de boire la tasse, ils essayent de toute leur force de rejoindre le rivage. Et lorsqu'ils arrivent proches du rivage, je les imagine exténués. Le bois tout mouillé, les débris, les planches tout mouillées. Il fait froid. Ils arrivent sur cette plage totalement exténués. Regardez ce qu'il est dit. Après nous être sauvés, nous connûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, ça veut dire ceux qui ne parlaient pas le grec, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. En plus du naufrage, il fait froid. En plus du naufrage et de la froideur, la pluie tombe. Ils sont exténués. Et là, ils jettent leur dernière force pour rejoindre le rivage et s'échouer là sur la plage. Pour eux, c'est
je viens de vivre une catastrophe. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont tout vu, des gens de Malte. Ils regardaient ça de loin. Ils ont vu le bateau se casser. Ils ont vu les gens s'accrocher aux débris. Ils ont vu ces 250 personnes essayer de faire comme ils pouvaient pour rejoindre le rivage. Alors ils sont arrivés, ces gens de Malte, en manifestant une hospitalité, une gentillesse, une bienveillance peu commune. Ils ont pris du bois sec. Ceux qui viennent de vivre l'embrouille, ils n'ont pas du bois sec, eux. Mais eux, ils ont du bois sec. Et ils vont faire un grand feu, afin que ceux qui vivent le naufrage puissent se réchauffer. J'aimerais dire à tous ceux qui aujourd'hui sont dans la tempête, Dieu a prévu pour toi des barbares, des gens de Malte. Tu ne le sais pas, toi, tu es tellement en ce moment en train de batailler pour te sortir de l'eau tellement que c'est compliqué. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu a prévu des gens qui ont tout vu et qui vont venir avec du bois sec pour allumer un feu et pour apporter du réconfort et de la chaleur dans ta vie. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu as du bois sec pour moi, s'il te plaît? Vas-y, dis-lui, est-ce que tu as du bois sec pour moi? J'ai besoin que quelqu'un me fasse un feu. Et là, ils vont prendre le bois sec au milieu du naufrage, au milieu du bateau cassé, au milieu de la pluie, et ils vont faire un grand feu. Et tous ceux qui vécurent le naufrage purs se réchauffer. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et que ceux qui le croient disent amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever juste là où on est? Est-ce qu'on peut, juste là où on est, élever nos mains, nos âmes devant le roi des rois et juste lui dire, Seigneur, tu connais toutes choses dans ma vie. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les tempêtes que je traverse. Tu connais les tempêtes que je traverserai. Tu vois les plumes que j'ai dû laisser en arrière. Tu vois les petits débris à laquelle je suis accroché. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose, Seigneur. J'ai juste un petit bout de pain. Dans mon couple, il y a juste un petit bout d'amour. Il ne reste plus grand-chose. Mais je m'accroche à ce petit bout que tu m'as donné. Il ne reste pas grand-chose dans ma vie. Ma foi est semblable à un grain de sénevé, à un grain de moutarde. Elle est tellement petite. Aux yeux des hommes, elle est tellement ridicule. Il y a un Goliath devant moi. J'ai qu'un petit caillou, Seigneur. Mais je m'accroche au peu que j'ai. Parce que je sais qu'avec, tu vas accomplir le miracle. J'aimerais qu'on puisse chanter avec Fabiola et toute l'équipe ce chant comme une déclaration de foi, comme une déclaration d'intention qui déclare « Abrite-moi, Seigneur, même si les océans se déchaînent, je sais que tu seras avec moi, tu ne m'abandonneras pas, tu marches à mes côtés. » Alors juste là où tu es, est-ce que tu peux élever tes mains et on va chanter avec toute l'équipe. Fermés, j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui ont besoin d'être réchauffés. On va prier pour tous ceux qui le désirent. On va venir avec notre bois sec pour essayer de faire un feu, pour réchauffer pour tous ceux qui en ce moment vivent une tempête dans leur vie. J'aimerais prier pour toi. Si en ce moment tu es là et tu as besoin de la prière, tu as besoin que Dieu se manifeste dans ta vie. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains se lèvent. D'autres mains partout, des mains se lèvent. Et voici ce qu'on va faire.
Je demandais à l'équipe pastorale, aux équipes de prière, aux responsables de groupes de maison, de jeunesse, de venir sur le devant. Venez sur le devant. Et j'invite tous ceux qui ont répondu à cet appel, quittez vos rangs et venez sur le devant. Approchez-vous, on va prier. Il y a toute une équipe qui se tient là avec du bois sec. Et on va prier afin que la prière réchauffe votre cœur, afin que la prière réchauffe votre âme. Approchez-vous sur le devant, approchez-vous, approchez-vous. Ne bloquez pas les allées, approchez-vous, approchez-vous. Essayez de vous répandre le plus possible. Venez sur le milieu, approchez-vous, approchez-vous. Et on va à tous ceux qui restent là, ceux qui également nous regardent sur Internet. On va prier ensemble, on va louer ensemble avec Fabiola et toute l'équipe. Pendant que l'on prie pour les gens, il y a beaucoup de personnes, on ne va pas pouvoir passer 4-5 minutes par personne, mais on va prier succinctement pour chaque personne. Et on va prier pour que la grâce de Dieu se manifeste avec puissance et avec onction. Et tous ceux qui sont restés pouvaient continuer de louer, d'adorer, de prier pour les gens qui sont devant. Et ensemble, chantons, louons, adorons notre Dieu, afin que la grâce et la bénédiction de Dieu soient le partage de tous ceux qui se sont approchés.
toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es même si, même si les océans se déchaînent, je les traverse. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens, on n'a pas encore prié pour vous, levez la main. Regardez les gens. Il y a quelques mains, 3-4 personnes, si on peut se diriger vers eux. Ceux qui sont autour, gars avec gars, fille avec fille, est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît? Alléluia, Seigneur Jésus. J'aimerais faire une prière et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. J'aimerais vous inviter, tous ceux qui ont répondu à l'appel, comme ceux qui sont restés au fond, j'aimerais vous inviter à répéter cette prière avec foi et conviction. Dites avec moi, Seigneur Jésus, avec plus de force s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Quelle que soit la tempête que je traverse, je sais que tu es avec moi. Tu habites au milieu des tempêtes. Tu es dans la barque de ma vie. Et quand bien même les océans se déchaînent, tu ne m'abandonneras pas. Et tu m'aideras à passer dans la prochaine étape, la prochaine saison. Tu es avec moi et j'ai foi en toi dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Le roi des rois. J'espère que le message vous a béni, vous a encouragé. Si c'est le cas, pensez à le liker, le partager et également à le commenter. Et on se retrouve bientôt pour tous ceux qui désirent également nous soutenir dans tout le travail que nous faisons. On va bientôt implanter une église à Paris et développer toutes sortes de choses également sur Internet pour vous bénir et vous encourager. Et si vous bénéficiez de ce travail et vous êtes béni par ce que nous faisons, vous avez la possibilité de donner soit en flashant le QR code que vous voyez ou en allant directement sur monoffrande.fr. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye.